L'AC Ajaccio 18e reçoit Valenciennes 10e. Les Corses n'ont remporté qu'un seul match cette saison. Il est temps d'accélérer. Les Corses restent sur 2-0 à 0. Et sur 4 matchs sans avoir marqué le moindre but, le plus important, c'est bien de marquer à l'occasion de cette partie. Le problème pour eux, c'est que c'est l'équipe visiteuse qui marque en premier. Valenciennes mène 1-0 grâce à Loïc Nestor à la 24e minute. Le premier but de la saison pour Nestor. Valenciennes a une des pires défenses du championnat. Il va essayer de tenir cet avantage. Mais ça ne dure pas très longtemps. 10 minutes après le but de Nestor, l'AC Ajaccio égalise grâce à Riyad Nouri pour son premier but de la saison. Un but partout entre les deux équipes. Et enfin, l'AC Ajaccio a retrouvé le chemin des filets. Un but partout à la mi-temps. Le match est bien lancé. Valenciennes reste sur une victoire après 5 matchs d'un succès. Ce serait bien de ramener quelque chose de ce déplacement. Et en seconde période, l'AC Ajaccio insiste et prend l'avantage après 10 minutes de jeu en seconde période grâce à Jérémy Choplin pour son deuxième but. 2 buts à 1 pour la formation d'Olivier Pantaloni qui continue à se montrer offensive. Nouvelle opportunité pour se détacher définitivement. Valenciennes n'arrive pas à sortir de sa moitié de terrain. Le corner maintenant et avec un contact dans la surface de réparation, l'arbitre laisse jouer. Et la belle reprise de Riyad Nouri qui s'offre un doublé. Ses 2 premiers buts de la saison sont marqués et l'AC Ajaccio est soulagé avec ce but à un quart d'heure de la fin. Valenciennes retrouve le goût amer de la défaite et l'AC Ajaccio, lui, parvient à se rassurer avec ce succès. Victoire 3 buts à 1 de l'AC Ajaccio contre Valenciennes.